Salut à tous, c'est Florian et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 10 des actions de croissance pour le PEA. Donc, j'ai analysé tous les ETF, toutes les actions pour PEA et compte-titres dont j'ai entendu parler depuis mes débuts en bourse et j'ai fait un classement qui m'a pris énormément de temps. Et je t'offre cette liste des meilleures actions de croissance, actions à dividendes et ETF. Pour PEA et compte-titres totalement gratuitement et elle est en premier lien dans la description. Maintenant, si tu veux investir en bourse et que tu n'as pas encore de PEA, je t'invite à aller voir ma vidéo numéro 2 où je t'explique tout. Sinon, tu peux directement cliquer sur le lien Boursorama dans la description, ce sera le deuxième lien, et rentrer mon code de parrainage pour récupérer ton bonus entre 80 et 130 euros à la création de ton compte courant. Puis créer ton PEA dans la banque la moins chère du marché. Trêve de bavardage, passons au sujet principal de la vidéo, à savoir les 10 meilleures actions de croissance à inclure absolument dans ton PEA. C'est parti. On va partir du moins intéressant, qui est déjà ouf, au plus intéressant, qui va te faire halluciner. Donc la moins bonne action que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Téléperformance, qui vaut 366 euros à l'heure où je tourne cette vidéo. Et qui a une croissance moyenne de 60% par an sur les 10 dernières années, plus 1% de dividendes. Donc, t'imagines bien que si ça, c'est la moins bonne action que je te présente, il y en a des vraiment mieux, mais surtout, je t'ai fait une liste, les actions pour PEA, je ne sais plus, il y en a peut-être une trentaine, une quarantaine. Là, je te présente les 10 meilleures, mais les autres aussi. Sont extrêmement intéressantes. Donc, dans cette vidéo, je ne vais pas te présenter d'actions à moins de 60% de croissance par an, mais il y en a qui sont très intéressantes à 20, 30, 40, 50%. Donc, je t'invite à aller voir la liste dans la description. À savoir que cette liste, je la vends 35 euros sur Amazon et là, je te l'offre gratuitement parce que tu viens de ma chaîne YouTube. En deuxième place, donc en neuvième position, l'action LVMH. Qui est un petit peu cher, 692 euros, 60% de croissance également par an et 1,15% de dividendes. En troisième, ST Microelectronics, 44 euros, donc très accessible et 67% de croissance par an sur les 10 dernières années en moyenne et 0,5% de dividendes. En quatrième, Ubisoft Entertainment. 41 euros, donc très accessible, 71% de croissance par an et elle ne verse pas de dividendes. Ensuite, Alten, Alten, 150 euros, c'est correct, 73% de croissance par an sur les 10 dernières années, plus 0,7% de dividendes. Ensuite, LMCD, 198 euros, ça reste accessible. 83% de croissance par an en moyenne sur les 10 dernières années. Ce que te promettent les manias de la bourse de faire 20, 25, 30% par an sans risque, c'est pas possible. Mais moi je te dis que là, si tu te diversifies entre ces 10 actions, tu auras en moyenne une croissance de 100% par an de ton portefeuille si les marchés continuent à performer comme ils l'ont fait sur les 10 dernières années, ce qui est assez probable. Donc, si tu as 100% de croissance en moyenne par an, c'est-à-dire que tu doubles ton capital tous les ans. Donc, quand ils te promettent du 20, 25, 30% sur des ETF, c'est très largement faisable. Non seulement c'est faisable, mais c'est sous-estimer le marché. En septième position, ASML Holding. Cette action, elle vaut 685 euros à l'heure où je te parle, sûrement plus à l'heure où tu vois cette vidéo. Mais elle est très intéressante. Elle augmente en moyenne de 132% par an sur les 10 dernières années. C'est juste un truc de fou. Avec 0,2% de dividendes, mais ça, on s'en fiche. Donc cette action qui a 346 euros, ça fait un peu cher pour rentrer, mais si tu rentres dans un an, elle sera à 800 euros. Donc autant rentrer tout de suite. En neuvième position, donc sur la deuxième place du podium, à 222 euros, je te propose l'entreprise Soitec, Soitec,
avec une croissance moyenne de 140% par an, une fois de plus calculée sur les 5 ou 10 dernières années, selon ce que proposent les graphiques. C'est une entreprise qui ne verse pas de dividendes, mais à 140% de croissance par an. C'est-à-dire que si tu avais mis 100 euros au début de l'année et que là, elle avait fait 140% cette année, tu aurais non pas 100 euros, mais 240 euros. Et la meilleure entreprise que je vais te présenter aujourd'hui, c'est Alphen, Alphen. Une action à 85 euros, donc très accessible, pour une croissance moyenne de 150% par an depuis 10 ans. Et cette entreprise ne verse pas de dividendes. Donc, attention, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Je ne suis pas un professionnel de la finance, blablabla. Vous connaissez. Je vous conseille de diversifier vos placements et surtout de faire vos propres recherches. Donc, ne mettez que de l'argent que vous êtes prêt à perdre et dont vous n'avez pas besoin pour les 3 à 5 prochaines années au minimum. Sur ce, les amis, je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos finances. Ciao.